Bien. Merci, Monsieur Grasse. Je pense que tout ceci est un petit peu excessif, Monsieur Lennox. Nos moyens de sécurité actuels sont parfaitement adaptés, selon moi. Peut-être, Glass, seulement. Si tout se passe comme prévu, Fodex va devenir une société particulièrement riche. Et je n'ai pas envie de courir le moindre risque. Ce nouveau coffre est contrôlé par un système d'horloge géré par ordinateur. Et l'ouverture ne se fait qu'une fois par semaine. Nos précieuses semences sont ainsi protégées de tout vol et le Fodex peut être présenté au public en toute sécurité. À présent, je vais entrer le mot de passe. Si vous le voulez bien, Monsieur Glass, je préférerais être le seul à le connaître. Nutritionnelle de Fodex. L'histoire du Fodex commence au Brésil, à la suite de recherches conduites dans le fleuve Amazon, où l'on découvre notre algue de base appelée Phytex longinus. Cette algue est une source naturellement riche en éléments vitaux et en vitamines. 10 ans de recherches intensives ont permis de développer ce genre de truc, ça coupe plutôt l'appétit, non ? D'Amérique du Sud, des substances totalement nouvelles. Celles-ci ont été génétiquement améliorées, permettant ainsi d'accroître de façon spectaculaire le pouvoir nutritionnel déjà élevé. C'est cette super algue sur laquelle nous travaillons dans nos laboratoires. Cette algue qui sera la base de l'alimentation du futur. Tu parles. La variété ça des m'étonnerait qu'on puisse fabriquer tous ces aliments avec cette luzerne. Cette algue merveilleuse est pratiquement infinie. Les limites en sont celles de l'imagination. Et vous plaît, des petits fours et du goût des fruits. Oui, très bon. Succulent. La quantité et la qualité sont en fonction de la demande du marché et de la clientèle. Je vous demande pardon. Ils ont été fabriqués par Fodex. Ah, j'ai eu du saumon. Ça, c'est du gruyère. Fodex. C'est vrai que ça ressemble aux algues qu'on peut trouver dans les mares, mais elles n'ont rien à voir avec elles. Et vous ne les trouverez pas dans nos régions. Je vous présente Sally, ma charmante assistante. Sally, veuillez montrer à ces jeunes gens. Alors, les types qui sont entrés ici, c'est ça qu'ils voulaient ? L'industrie alimentaire se battrait pour développer une telle qualité. C'est le Saint Graal. C'est la nourriture du futur millénaire, messieurs. Alors, nous sommes en présence d'espionnage industriel. Zander, ça fait des années qu'il voudrait me court-circuiter. Zander ? C'est un chercheur, lui aussi. Il possède Hennessy Brock. Ce sont des requins dans l'industrie alimentaire. Il voudrait faire plonger ma société.
et il ferait n'importe quoi pour mettre la main sur cette merveille. Pas évident. On peut essayer par la ventilation, ça a marché la dernière fois. Trop complexe. Alors, tu suggères quoi? La sécurité. Quarante lignes reliées à l'extérieur. Il va falloir que je fasse vite. Oui, comme d'habitude. Quand tu veux, moi j'y suis. Allô, vous êtes JBS Sécurité? Dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, JBS Sécurité, que puis-je pour vous? Oui, alors voilà, c'est... Parce qu'on entend mal, c'est Harris, ici, de chez NSC Brock. Parfait. Nous avons rendez-vous avec Monsieur Harris. Je ne suis pas mal sur ce laisser-passer. Dommage que la définition d'image ne soit pas parfaite. Regarde, voilà ce qu'on cherche. Recherche et développement, 8e étage. Allons-y. Je peux vous dire que vos détecteurs n'ont pas été touchés du tout. Mais c'est pourtant par cette porte que les cambrioleurs sont entrés. Et il n'y a pas non plus de traces de passe. Ce qui signifie qu'on leur a ouvert la porte. Notre service de sécurité contrôle toutes nos allées et venues. Vous devriez trouver aisément qui était là hier soir. Oh. Mais cette liste du personnel n'a pas été mise à jour. Monsieur Fricker est mort il y a quelques mois, le pauvre. Ah oui? C'était un accident. Ça avait un rapport avec FODEX. Mais vaudrait mieux ne pas le rappeler à Monsieur Lennox, parce que, enfin... Il n'aime pas beaucoup en parler. Voyez-vous ça? Accès au dossier Fricker, accès rejeté, confidentiel. J'ai l'impression que l'ordinateur est un peu réticent sur le sujet lui aussi. Beckett, j'ai trouvé un article sur les travaux de FODEX. Il n'y a pas de mal à lire ce que font les concurrents. Il est passionné pour la photo, justement, jette un petit coup d'œil là-dessus. Hey, mais cette pièce-là... C'est la salle des réceptions de FODEX. Je me demande bien ce qu'ils ont prévu. Allô, Zander. Je t'écoute. Est-ce que tu as eu d'autres renseignements? Je ne veux pas prendre le risque d'un autre désastre comme celui de cette nuit. Débrouille-toi autrement. C'est pour ça que tu es sur place. Une équipe de surveillance? Ah oui, je vois très bien qui c'est. Sécurité, deux étrangers, 8e étage. Ils sont là-haut! Arrêtez! Arrêtez, vous êtes coincés! Tiens! On ne peut pas aller plus haut. Ça, j'avais compris. Allez, ouvre-nous ça.
Génial. J'espère que t'as pas le vertige. Surtout, regarde pas en bas. En fait, tu ferais mieux de fermer les yeux. Quand l'ascenseur s'arrêtera, j'essaierai d'ouvrir la porte de l'étage du dessus. Ça y est, vas-y, vas-y. Vite. Vous les avez eus? Pas encore, monsieur. Ils doivent être sur le toit, mais ils sont coincés. Non, non, ils sont là, sur le toit de l'ascenseur. À tous les membres de la sécurité, rez-de-chaussée, je répète, rez-de-chaussée. Est un accident qui ne regarde que la société. Ce n'est pas dans vos attributions. Est-ce que vous pouvez me dire si les travaux de Fodex sont dangereux? Bien sûr que non, absolument pas. Sauf évidemment si vous tombez par mégarde dans une cuve ou que vous oubliez votre masque à oxygène en entrant dans le labo. Fricker serait-il tombé par mégarde dans une cuve? Cessez de me parler de Fricker. Ce que j'attends de vous, c'est que vous trouviez lequel de mes collaborateurs est un traître. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, puisque l'alarme de la porte par où ils sont entrés est contrôlée par ordinateur, oui. Celui qui l'a ouverte a été obligé de se servir de son badge personnel et ensuite il a effacé toute trace de son intervention dans les fichiers. Mais j'ai inventé un petit programme à moi pour arriver à le retrouver. C'est bien. Ouais. Pendant qu'il va faire ses petites recherches, moi je vais m'intéresser à la lecture d'un dossier interdit, le dossier Fricker. Celui que Lennox a tellement envie de cacher. Voilà. Je t'ai eu. Sally, vous le connaissiez, Fricker? Sally? Sally, qu'est-ce qui se passe? Sally? Thank you.
Tout va bien? Oui, absolument. Je pars maintenant. Oh, et la jeune fille qui travaillait, elle est partie aussi. Elle devait aller chez le coiffeur. Bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qui savait que nous allions chez Nancy Brock? Monsieur Glass, moi-même et Sally. Et où est-elle, Sally? Elle a un peu aidé votre assistante, mais maintenant elles sont parties toutes les deux. Ross est parti? Elle devait aller chez le coiffeur, apparemment. Chez le coiffeur? Oui, c'est ça, et moi je m'appelle Elvis. Il y a toutes ses affaires. Mais elle, où est-elle? Qu'est-ce que c'est que ce mot-là, panne? Ou sûrement une lampe qui a claqué. Non, c'est tout le circuit qui est mort. Voilà, ça y est. Allez-y. Elle est là. Dépêche-toi, il n'y a pas d'oxygène, sortez-la, vite. De l'oxygène. Il lui faut de l'oxygène. Tiens, l'oxygène. Aide. Allez, vas-y, respire, respire. Fais-moi plaisir. Allez, Ross. C'est bien. Oui, allez. C'est Sally? Ouais. Apparemment, vos saletés de trouvailles commencent à faire perdre la tête à pas mal de gens. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il faut qu'on ait une discussion. Dégage de mon fauteuil! La visite nocturne a été un échec. Tu es viré! J'ai découvert quelque chose. Le secret de Lennox. La formule de Fodex? Non, beaucoup mieux. On va pouvoir mettre Lennox définitivement à genoux avec ce que j'ai là. Et la première chose que nous allons faire... c'est l'obliger à nous écouter. Annuler le lancement des produits, nous connaissons le secret de Fodex. C'est fou cette histoire. C'est incroyable, le culot de ce Zander. Mais qu'est-ce qu'il entend par le secret de Fodex? La formule, c'est évident. Comment ça va aujourd'hui? On fait aller. Monsieur Lennox, est-ce qu'il fait seulement allusion à la formule? Ou n'y aurait-il pas quelque chose d'autre que nous ignorons? Comme le fait de couvrir la mort d'un homme. Est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec ça? Je n'ai couvert la mort de personne. Fodex est une entreprise absolument honnête. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous annulez votre lancement? Certainement pas, c'est l'œuvre de ma vie. Et quel que soit ce que ce Zander et cette garce de Sally aient prévu, je veux que vous m'assuriez que tout se passera bien. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Notre produit va être extrêmement vulnérable au moment du transport entre le labo et le lieu où nous allons le lancer. Je veux donc que vous supervisiez toute cette opération. C'est parti, les gars. La camionnette qui se sert d'appât vient de se mettre en route. Alors, est-ce que tu es suivi, Ed? Non, personne, tout va bien. Je me demande si la menace n'était pas du bluff. C'est chargé, on peut y aller. S'il vous plaît, conduisez prudemment. Je suis toujours prudente. Elle vient d'avoir son permis, je vous dis. On est en route aussi, Ed.
chance qu'ils ont dû m'écouter. Oh non. Tu pourrais pas essayer de les semer? Oui, bien sûr, je vais essayer, mais si jamais il y a de la casse, tu rembourses. J'ai vaguement l'impression qu'on va nous tirer dessus. Quoi? Regarde. Fais gaffe! Je prends le risque! La prochaine fois, c'est moi qui conduirai. Ben merci, ça fait toujours plaisir. Tout s'est bien passé? Xander a essayé de nous avoir, mais on l'a semé. Comment ça, on? Et le Fodex, il n'a pas souffert? Non. Et nous, ça va aussi, merci. Enfermez ça dans la cuisine jusqu'à l'arrivée du chef. Je vous remercie. Merci d'avoir contribué à l'histoire. Vous pourrez raconter tout ça à vos petits-enfants. Monsieur Lennox, tout est en ordre. Pas de micro, aucune bombe, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est gentil, merci. Je vous laisse. J'avais demandé des verres à champagne. Monsieur Lennox, je n'ai pas encore fini. Vous nous avez payé pour faire un travail et nous le faisons toujours jusqu'au chef, bout. Chef, bon, eh bien si vous insistez, c'est d'accord, mais veuillez ne pas trop gêner le service. Allons vérifier que tous les produits que vous aviez réclamés sont bien là. Parfait. Ah, patience. Attendez que Gérard ait fait montre de ses dons de magicien. Il n'y a rien. Plus aucun dossier sur ce friqueur. Pourtant, Ross l'a trouvé hier. Où est-ce qu'il est? Voyons ce qui a pu se passer. J'ai l'impression que Lennox est si parano sur le sujet qu'il a dû remettre une sécurité supplémentaire pour y accéder. Et si jamais il est ouvert, il est automatiquement ventilé vers un autre dossier FedEx. Et l'original est détruit. Alors il est encore là-dedans, mais enregistré sous un autre nom, c'est ça? Exact. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vérifier tous les dossiers ouverts au moment où Ross a été attaqué. Tout juste. Oh, mais on risque d'y être encore ce soir. C'est pour ça qu'il faut s'y mettre dès maintenant. J'aimerais bien en avoir un peu sous la main du FedEx. Je meurs de faim. Mesdames, messieurs, mes chers invités, je dois avouer que je suis profondément touché que tant de gouvernements aient envoyé autant de délégations au lancement des nouveaux produits qui se trouvent devant vous. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous signaler que tout ce que vous allez manger et qui se trouve sur cette table est produit à partir de notre FedEx. J'ai consacré une grande partie de ma vie à développer ce produit. Et je suis sincèrement convaincu que d'ici quelques années, que les nations soient riches ou pauvres, FedEx nourrira entièrement le monde. Accueillons donc avec bienveillance son arrivée
avec la seule et unique chose qui, aujourd'hui, n'est pas un produit dérivé. Cela dit, sait-on jamais, un jour peut-être. Et mesdames et messieurs, à la santé de Fodex. À la santé de Fodex. Ed, viens voir, je crois que j'ai trouvé. Regarde. Magnifique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est y entrer. Je dois avouer que c'était succulent. On dirait que ça a l'air de vous surprendre. Veuillez m'accorder votre attention. Mesdames et messieurs, après vous avoir donné un avant-goût des extraordinaires qualités du Fodex, je voudrais maintenant vous montrer un petit documentaire. Toxique ? Fodex devient un produit toxique s'il est exposé à des rayons ultraviolets. Bon sang. C'est ce que j'appelle un produit évolutif. C'est dingue que Lennox puisse oser commercialiser des produits qui peuvent nous empoisonner. Je comprends maintenant pourquoi il est aussi discret. Sally devait être au courant. Oui, c'est ça qu'elle voulait dire par le secret de Fodex. 10 ans de recherche intensive dans nos laboratoires de Newhurst ont permis de... Le Fodex est toxique. Le Fodex est toxique. Le Fodex est toxique. Vous allez tous mourir. Vous êtes en train de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Vous pouvez nous expliquer? Monsieur Lennox, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'il l'a découvert? Comment se fait-il que Zander soit au courant? Au courant de quoi? Monsieur Lennox, pouvez-vous nous dire ce qui se passe ici? Est-ce que ce serait ça, le fameux secret de Fodex? C'est à la mort de Fricker qu'on a découvert qu'on avait un problème. Un problème? Rassurez-vous, Fodex est parfaitement fiable, normalement. Regardez, l'électricité, ça peut tuer aussi, mais on s'en sert tous. Oui, mais on ne la met pas dans des hamburgers pour la vendre au coin des rues. Pouvez-vous me dire ce qui va nous arriver? Absolument rien. Nous avons développé un antidote. Il est conservé dans la chambre de propagation. Nous en avons fabriqué une très grande quantité. Et si nous venions à en manquer, il suffirait d'une opération simple pour continuer à utiliser nos produits. Vous allez voir. Nous avons énormément de stock là-dedans. Cette explosion vient de mettre un terme à l'antidote Fodex. Maintenant, ils vont avoir besoin de celui qu'on leur a volé. Tout marche selon ton plan? Je prévois toujours tout dans les moindres détails. On empoisonne les invités à l'inauguration. Et ensuite, comment tu disais, on fait monter la pression. Et bientôt, nous aurons notre argent. Tiens, prends la barre. Je vais le leur réclamer. Fais attention, ils vont essayer de nous repérer. Ne t'inquiète pas, j'y ai pensé aussi. Alors, qu'est-ce qu'on leur demande? 10 millions? 1-1. Et toi, avec 2 millions, tu verras la fin de ton calvaire d'assistante de laboratoire. Ce sera bien, non? Monsieur Lennox? Oui, ça va, oui. N'oubliez pas que j'ai mangé avant les autres et que les effets ont donc de l'avance sur moi. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Perte de l'équilibre, perte des perceptions sensorielles, perte des facultés motrices, perte de la mémoire, et enfin, la mort. Vous ne croyez pas qu'on devrait essayer de faire appel à un médecin, je veux dire? Sans antidote, il n'y a aucune guérison possible. Le Fodex cru, c'est le seul antidote efficace. Sympathique. Où est-ce que tu en es sur la chambre? Tu n'as pas réussi à trouver des traces de Fodex cru? Il n'y a plus rien, non. Il a bouilli, on ne peut plus rien en tirer. Est-ce qu'il y a une autre possibilité de fabriquer de l'antidote, monsieur Lennox? Allez, essaie de le repérer. Ça va aller. Ça marche? C'est bon. Allô? Ici Zander. Ah, c'est vous, monsieur Zander. D'où est-ce que vous nous appelez? Ça, vous aurez beaucoup de mal à le savoir. Vous avez empoisonné beaucoup de monde ici. Qu'est-ce que vous voulez en échange de votre antidote? Est-ce que Lennox n'en a pas, lui?
Tout a été détruit dans l'explosion de la chambre de propagation. Oui, je me doute. C'était une idée à moi. Alors combien êtes-vous prêt à mettre pour cet antidote ? Je suis sûr que vous ne voulez pas voir mourir tous ces gens. Et moi je suis sûr que vous ne le voulez pas non plus. Alors nous allons vous fournir ce dont vous avez besoin. Mais nous voudrions un peu d'argent en échange. 10 millions. Malheureusement, je ne pense pas que M. Lennox puisse réunir une telle somme à l'heure qu'il est. Puisque c'est comme ça, je vais l'encourager un petit peu. J'ai ici un échantillon mutant de ce Fodex. Il est en solution dans un fluide toxique. Alors, de deux choses l'une. Ou vous me remettez mes 10 millions et on fait l'échange, ou je verse mon Fodex mutant dans un des réservoirs d'eau de la ville. Lennox vous expliquera les effets que ça entraînera. Mais vous pourriez m'expliquer ? Les échantillons proliféreront dans l'eau du réservoir et alimenteront en toxines tous les robinets qui en dépendent. Il va nous falloir un certain temps avant de pouvoir réunir cet argent. Je me moque totalement de la provenance de votre fric. Je vais vous faxer les coordonnées d'un compte à l'étranger. Arrangez-vous pour faire un virement électronique. Oui, mais comment fait-on pour l'antidote ? Vous savez bien que des personnes vont mourir. C'est pourquoi il ne faut pas traîner pour ce virement de 10 millions. Tu l'as localisé ? J'ai l'impression qu'il rebondissait sur tous les satellites en fonction. Génial. Alors on n'a rien. On a déjà ça. Ça, c'est un magnifique coup de bluff. Ils ne peuvent absolument pas refuser de payer. Jamais ils ne prendront ce risque. J'aime pas bluffer. Où est l'antidote ? Toujours dans ce cylindre ? Pas vraiment, non. Comment ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Je redéfinis nos relations professionnelles. Arrête, c'est totalement dingue, qu'est-ce que tu comptes faire ? Oh, exactement ce que tu leur as expliqué. L'antidote n'est pas là-dedans. C'est du Fodex qui a muté, que je vais aller verser dans le réservoir. Comment ça ? Ça ne sert à rien de menacer avec un revolver. Il faut qu'il soit chargé. Mais pourquoi t'en prendre à moi ? Notre partage était très intéressant pour toi. 2 millions sur les 10 que tu auras ? Mais tu vas tuer des gens ! Ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont verser le fric. Non ! Je suis sûr que vous ne voulez pas voir mourir tous ces gens. Et moi, je suis sûr que vous ne le voulez pas non plus. Alors nous allons vous fournir ce dont vous avez besoin. Mais nous voudrions un peu d'argent en échange. Pour faire de l'antidote. 10 millions. Antidote. Il me reste un échantillon d'algue. Quoi ? Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Du Fodex à l'état premier. Ce sont les germes de tout le projet. Beckett ! Oui ? Il resterait un produit avec lequel on pourrait faire de l'antidote. Où est-ce qu'il est ? Glace. Glace. Glace ? Glace ! Ce serait une glace ! Une glace ? Glace ! C'est le nom du chef de la sécurité à Newhurst. Dépêche-toi ! Je suis déjà parti ! Tenez le coup, monsieur Lennox ! Est-ce que Lennox n'en a pas, lui ? Est-ce que Lennox n'en a pas, lui ? Oui, je me doute. Ça, c'était une idée à moi. Alors, combien vous êtes prêt à mettre ? Ross ? Tu es sûr que tu peux continuer à faire ça ? Il faudra enlever les voix et monter le niveau des ambiances. Oui, on faisait ça sans arrêt à l'école. On se testait. Pour nous, c'était comme un jeu. Tu es prête à écouter ? Oui, je me doute. Ça, c'était une idée à moi. Alors, combien êtes-vous prêts à mettre pour cet antidote ? On est sur un bateau. Un petit bateau. Un petit bateau de plaisance, je pense. Sur un plan d'eau tranquille. Il y a peu de clapotis autour. Tu entends ? Oui, peut-être. Tiens, là, on est sous un pont. Il y a de la réverbération. Un pont de chemin de fer. Il va falloir qu'on arrive à affiner un peu plus tout ça.
Monsieur Lennox venait juste de le faire installer. Quel est le système de sécurité? Une combinaison? Non. C'est contrôlé par ordinateur? Non, non. Bon, bah alors qu'est-ce que c'est? Un verrouillage à horloge. Et elle est programmée pour ne s'ouvrir qu'à partir de 9h. Ah, je n'ai pas autant de temps. Pas à 9h ce soir. 9h lundi matin. Vous n'ouvrirez pas cette porte avant la fin du week-end. Là, j'entends un avion. Il doit atterrir. Il est en approche par l'ouest. Ça réduit un peu le périmètre des recherches. Oui, mais il y a une quantité de plans d'eau dans le coin. Je vais essayer de mieux définir les autres sons. J'y arriverai. Dans les temps, tu penses? Tu n'as qu'à te rendre dans ce coin-là et je te donnerai d'autres indications au fur et à mesure. Tu vas tenir le coup? On verra bien. En tout cas, empêche-les d'empoisonner plus de monde. Oui. J'imagine que toutes les parois sont en acier trempé. Oui. Vouloir faire un trou est du domaine de l'utopie. Monsieur Lennox disait qu'il faudrait une bombe atomique pour le casser. Oui, mais moi, je ne vais pas avoir le temps d'en trouver une. Si ce truc reste fermé jusqu'à lundi, eh bien, on va essayer de le persuader que nous sommes lundi. Alors, on va... Voilà. Vous n'arriverez pas à le piéger. Il ne reçoit ses ordres que de l'horloge universelle de Greenwich. Quoi? Vous ne pouviez pas me le dire avant? Ross, je suis dans l'axe des pistes d'atterrissage, à 2 km à l'ouest de l'aéroport. Oui, tu es dans le coin. Il y a le pont de chemin de fer. Tourne à droite, tu passes dessous. Est-ce que tu vois de l'eau? Ah oui, il y en a pas mal. J'ai compris où il se rendait. Il y a une station de pompage, à 5 km. Nord, nord-ouest. Ross? Ross? J'ai trouvé. Que vous faites? J'apprends à voyager dans le temps. Pardon? J'ai localisé le signal d'entrée de la pendule. Si j'arrive à reproduire la fréquence parfaite, j'aurai piégé l'horloge. Vous pensez l'accélérer? Oui, c'est l'idée générale. Thank you.
faites rien d'inconsidéré, monsieur Zander. Ce n'est plus de Zander dont il faut vous méfier. Allez, les mains dans le dos. Où est Zander? Il nourrit les poissons. Vous n'avez pas besoin de ça. Allez, avancez. 10 millions. Ah, bing. On y est arrivé. Allons-y. Un mot de passe? Oh, c'est pas vrai, non, je rêve. Vous le connaissez? Non. Monsieur Lennox ne me l'a jamais dit. Faites un effort, il a bien dû le noter. Est-ce que c'est le nom de sa femme, le nom d'un de ses enfants, le nom de son chien? Je ne sais rien du tout. Seulement, il oublie souvent les choses et il a un agenda électronique. Et il le laisse toujours dans la poche de sa veste. Ross, est-ce que tu m'entends? Oui. Il me faut un mot de passe pour ouvrir la porte du coffre, d'accord? Il devrait être dans l'agenda électronique de Lennox. Fouille dans ses poches. J'ai cru... Tu vas y arriver. Je suis persuadé, je sais que tu peux le faire, alors tu vas m'écouter. On n'arrivera pas à faire d'antidote tant qu'on n'aura pas récupéré ce qu'il y a dans le coffre. Est-ce que t'as bien compris? Vous êtes là, c'est que vous n'avez pas la rançon. Pourquoi faites-vous ça? Vous n'allez pas tuer tous ces braves gens? Vous n'avez pas perdu toute conscience? Arrêtez de me faire la morale! Pourquoi est-ce que Lennox ne m'a pas prise au sérieux? La dernière fois que je l'ai vu, il était totalement inconscient. Il est certainement mort alors qu'il est. Vous auriez pu apporter le fric? Je suis sûre que vous pouvez encore l'avoir. Je parie qu'il doit y avoir plein de gens prêts à payer pour avoir le privilège de boire de l'eau pure. J'appuierai sur ce bouton. L'eau entrera dans le vase d'expansion que voici et viendra se mélanger avec le phodex toxique. Et quand le niveau de l'eau atteindra le conduit qui est là, le phodex dissous et toxique entrera dans le bac principal du réservoir. Son agenda. Bien joué, Ross. Tous ces décès. Vous en serez aussi responsable? Les rues seront remplies de cadavres. Bon, d'accord, vous avez gagné. Fermez ce robinet. Je veux mon fric! Et vous allez m'aider à l'avoir. D'accord, je vous aurai l'argent. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Ross, calme-toi, ne t'énerve pas. Ça y est, c'est fait. Maintenant, appuie sur mes mots. Il y a quelque chose... J'arrive pas à lire, je vois plus rien. Tu dois y arriver. Dépêche-toi, je t'en prie, vas-y, essaie encore. Je crois que ça commence par un M. C'est peut-être... Mandy ou... Manila ou... Mana...
mana. Comme la manne céleste, ça doit être ça. Oui. Allez, faites ce que vous avez à faire. Tournez ce robinet. Non, attendez-le vous-même. Allez, réveille-toi. Elle respire encore. Je crois qu'on est arrivé à temps. Vous saviez que l'algue était l'une des plus vieilles formes de vie de notre planète? Moi, j'en connais qui font passer de vie à trépas. Non, je suis sérieuse. Il paraît qu'elles existent depuis 1200 millions d'années. Alors c'est ça qui a dû arriver aux dinosaures. Ils ont tous été nettoyés par du phodex. Oh non, j'abandonne, moi. Qu'est-ce qu'on va manger? Si on mangeait chinois. Les pousses de bambou, ça rappelle les algues. Vous avez rien d'autre? Si on mangeait indien. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. Écoute, Beckett, et toi, Ed, j'ai pas vraiment faim pour le moment. J'ai du mal à digérer quelque chose.